Ce lundi 24 avril a marqué le début du séminaire de formation offert aux étudiants par le service social des étudiants et l'OMG IMCA. Cette formation permettra aux étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop d'avoir des notions dans des filières qui ne sont pas enseignées à l'UQAD. Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les autorités du Koudou qui, grâce à leur bienveillance, m'ont permis de dérouler cette activité qui, du reste, entre dans le cadre des missions du service social. Donc, il s'agit d'un séminaire de formation destiné aux étudiants qui, pendant toute cette période-là, vont recueillir des enseignements relatifs à des modules dont la communication interpersonnelle, le développement personnel, l'entrepreneuriat, la culture numérique et pas mal d'autres modules qui sont là, un peu pour renforcer leurs capacités dans différents domaines relatifs peut-être à l'accès au marché de l'emploi, etc. Donc c'est un peu pour renforcer leurs capacités dans des domaines qui peut-être ne sont pas enseignés à l'université. Donc il s'agit du rôle du service social, de les aider à avoir ces prérequis-là en vue de leur faciliter une plus grande accessibilité au marché de l'emploi, compte tenu maintenant des difficultés qui les attendent en sortant de l'université. Donc là, nous sommes en partenariat avec l'ONG IMCA, Young Men Christian Association, dans le cadre de les accompagner dans ce sens. L'IMCA, une organisation internationale présente au Sénégal depuis des années, se concentre dans l'éducation et l'entrepreneuriat. IMCA Sénégal, c'est un mouvement de jeunesse qui travaille pour les jeunes. IMCA signifie Young Men Christian Association. C'est un mouvement à but non lucratif. C'est une association de jeunes qui travaille pour les jeunes. Nous sommes présents dans beaucoup de pays, dans plus de 60 pays en Afrique, dans plus de 160 pays dans le monde. Et c'est un mouvement qui est basé avec l'intervention des jeunes qui œuvrent pour le développement des jeunes. D'où notre mission qui est d'œuvrer pour le développement des jeunes accompli, leader au niveau de sa génération, engagé pour sa communauté. Cette mission-là est notre ligne directrice. Toutes nos actions, tout ce que nous faisons, contribuent à rendre les jeunes accomplis. Donc ces jeunes accomplis-là passent par différentes étapes. Il y a l'étape de la formation qui nous a conduit ici aujourd'hui au niveau de l'université, où nous avons démarré un processus de formation avec l'ensemble des étudiants. Un programme de formation que nous avons pu faire grâce à un de nos partenaires qui est EquipUp, avec l'administration de l'université qui nous a beaucoup facilité la tâche et qui aujourd'hui nous accompagne dans ce processus. Venu participer au séminaire de formation, cet étudiant magnifie le travail du service social. En fait, l'importance de cette formation me revêt d'une importance capitale parce que déjà nous sommes dans le monde d'emploi. Alors il y a des difficultés pour accéder à l'emploi parce qu'il y a manque de formation. On demande des emplois, ça ne marche pas. Donc cela est important. Dès l'instant que si tu es formé professionnellement, tu peux avoir l'espérance dans le marché d'emploi. Je remercie l'équipe IMK et également le chef du service social, Salou Diagne, qui n'a jamais manqué de fournir ses efforts pour aider les étudiants de l'université à aller en avant. Ce séminaire prendra fin le 26 mai 2017. D'ici là, les étudiants pourront bénéficier d'enseignements qui leur facilitera leur accès à l'emploi.